Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo mes réalisations du mois de novembre. Donc déjà, je vais commencer par les cartes à gratter qui sont affichées dans mon couloir. Donc il y a ces deux-là. Alors, je vous approche un petit peu pour voir plus. Celle-ci. Je suis désolée pour le reflet. Il y a celle-là. Et pour finir, celle-là, alors j'essaye de me mettre dans un angle où il n'y a pas de reflet. Donc voilà pour les cartes à gratter. Je vais mettre pause et je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors niveau d'épée, donc j'avais progressé sur celui-là, mais il me manque des diamants, donc là, qu'une dame m'envoie. Donc, en attendant, je l'ai arrêté là. Là, on a le Kenji que j'ai bien avancé aussi. Et que je vais avancer ce mois-ci parce que c'est pour Noël, c'est un cadeau. Donc, il faut que je le finisse pour Noël. Enfin, avant Noël. Et j'avais fait avec vous celui-là aussi. Alors, je suis désolée pour le reflet. Donc, voilà. Donc voilà pour les DP. Je vais mettre pause et je vais aller dans mon bureau et je vais vous faire voir la partie coloriage. À tout de suite. Je vous ai dit des bêtises. J'ai fait celui-là aussi en partiel que je dois afficher aussi dans mon couloir. Donc voilà. Et que j'avais fait aussi avec vous comment ça s'appelle? En vlog. Là, on va passer au coloriage. Donc, dans le tome 5. Alors, où il va être? Je suis désolée, j'avais mis les marque-pages. Sauf que j'ai déjà tourné la vidéo et en fait, il y a eu un bug sur mon portable. Du coup, donc voilà. Pour ce colo. Ensuite, dans le tome 6, j'ai fait celui-là qui était pour un défi sur un groupe de coloriage Facebook. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Dans le grand classique tome 1, j'ai fait 7 doubles pages. Donc, celui-ci était un duo avec Sabrina, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Et celui-là, je l'ai fait parce que j'avais choisi les couleurs et que je ne voulais pas tout ranger. Donc, du coup, je l'ai fait. Ensuite, dans le trompe-l'œil tome 2, j'avais fait celui-là, qui était pour un défi aussi, il me semble. Mais je suis pas sûre. Donc voilà pour ce livre. Dans le Forêt du Monde, je l'ai enfin commencé et j'ai fait celui-là, que j'avais fait aussi en partie avec vous en vlog. Ensuite, il me reste deux défis. Donc, j'ai fait pour un défi sur le thème de l'hiver, j'ai fait celui-là qui m'a saoulé parce que vous voyez le bleu, les Faber-Castell-Pitt, quand on a des grandes zones comme ça, c'est horrible, ça fait beaucoup, beaucoup de traces. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Et pour finir, j'ai fait celui-là. Dans les cercles magiques, le grand classique, qui était pour un défi avec la lettre T. Donc sur le même groupe de coloriage Facebook. Donc voilà. Donc je vous ai mo tout montré. Comme ça, je repars à jour pour le mois de décembre.
Là, je me suis choisi quelques coloriages. Pardon, si je tape dans la caméra, ça va pas être bon. Donc, j'ai choisi tous les coloriages mystères de ce livre-là, que j'aimerais beaucoup faire ce mois-ci. Donc, il y a celui-là. 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 Lui. Le Père Noël. Les bonhommes de neige. Et celui-là. Donc, j'aimerais bien faire tous ces colos déjà en mystère sur Noël. Et après, je verrai. Je sépare. Hein, parce que vu que j'ai quand même le DP et tout à faire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire cela. Donc, on verra avec les réalisations du mois de décembre si j'ai tenu cet objectif de faire tous ces mystères-là. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye!